à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire ensemble la présentation de mes stocks beauté. On va faire un petit peu le point sur mes stocks. Je vous ai fait cette dernière vidéo, on était en juin là, de 2023. Donc comme toujours, j'ai toujours mon petit cahier pour faire le point sur mes stocks. Donc là, nous sommes au mois d'octobre. Donc comme vous le savez, j'ai reçu il n'y a pas longtemps un gros swap de Fanny, j'ai été très très gâtée, je vous renvoie sur les vidéos swap, il faut juste descendre un petit peu plus bas dans mes vidéos et vous allez les trouver. Donc j'ai eu un gros colis avec le swap, j'ai eu je sais pas combien de colis, de paquets cadeaux plutôt. Et elle m'a également mis à côté, elle m'avait mis un carton avec plein d'articles de beauté. Donc je vais faire un petit peu le point sur tout ce que j'ai. Évidemment, je vais quand même faire un petit disclaimer parce que là, je pense que les quantités vont être monstrueuses. Vous l'avez vu dans le swap, j'ai été pourri gâtée. Donc, je tiens à dire que je ne fais pas cette vidéo dans un but de me vanter et de vous montrer tout ce que j'ai. Ne commencez pas à me dire que je surconsomme ou quoi que ce soit. Je tiens à mettre les choses au clair. Déjà, les trois quarts, on va dire, des produits que j'ai, c'est Fanny qui m'a refait mon stock beauté. Clairement, je vais peut-être pas dire les trois quarts, c'est exagéré, mais au moins la moitié de mon stock, c'est Fanny qui me l'a refait. Et également, je suis abonnée à la Blissime. Donc, je reçois tous les mois ma Blissime avec des produits. Donc, l'air de rien, même si c'est généralement des miniatures, bah, le temps que j'utilise les produits, voilà, les stocks s'accumulent, mais c'est extrêmement rare quand je vous montre des produits de beauté. Voilà, si vous me suivez régulièrement sur ma chaîne, vous voyez bien que je vous montre pas des achats beauté tout le temps. Donc voilà, juste je tiens à faire le disclaimer, commencez pas dans les commentaires à me dire que je surconsomme trop. Je garde tous les produits parce que j'ai envie de les utiliser, j'ai envie de tester et de toute façon je vais les utiliser. C'est pareil, si vous me suivez dans mes vidéos, vous savez que quand je commence un produit, je le termine, je ne fais jamais de gaspillage, je coupe toujours mes produits en deux et tout, je racle jusqu'au bout. Donc c'est juste que voilà, je vais pas gaspiller le produit si ça ne, s'il n'y a pas besoin, tout simplement. Donc on va commencer tout de suite, la vidéo va être très longue, comme à chaque fois, je vais passer très rapidement dans les produits, c'est juste pour vous les montrer, que je refasse un petit peu le point sur tout ce que j'ai, et voilà. Je fais toujours en trois parties, d'abord tout ce qui est cheveux, tout ce qui est visage, et ensuite tout ce qui est corps. Donc là au niveau cheveux, j'ai déjà tout préparé à côté de moi. Donc pour commencer, au niveau des shampoings, j'en avais trois, bon bah là clairement le stock a évolué, j'en ai deux. 4, 5, 6 et 7. J'en ai 7. Alors, il y a beaucoup de petits formats. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, pour commencer, on a un shampoing traitant, détoxifiant et apaisant en 40 ml. Ça, c'est une petite miniature. Ça va partir extrêmement vite. Je vais mettre sur le côté. Ça sera plus simple pour moi prendre les produits et vous les montrer. Voilà. On a un petit shampoing L'Occitane en 35 ml. C'est pareil, c'est du petit format. Ça va partir relativement vite. Une petite marque comme ça, Verbena, que je ne connais pas, c'est un petit shampoing comme ça en 30 ml. On a ensuite un shampoing en 100 ml de la série Expert L'Oréal Professionnel Paris. Un shampoing comme ça, John Frieda Glow Go Blondé, spécial blonde, hein, tout simplement en 75 ml. On a mon shampoing Kérastase que j'ai acheté là tout récemment. Si vous avez vu ma dernière vidéo All Beauté, voilà, je vous ai expliqué que j'ai eu un bon plan Blissime. J'en ai profité parce que j'ai eu de l'argent pour mon anniversaire. Donc je me suis fait plaisir, je me suis acheté du Kérastase. Donc clairement, c'est extrêmement rare que vous allez voir du Kérastase. Mais là, c'était vraiment pour l'occasion. Donc on a du coup celui-là que j'ai reçu là cette semaine en 250 ml. Donc j'ai profité du bon plan pour commander. Et ensuite, j'ai ce gros format-là de shampoing en 300 ml. C'est la marque Jean-Hélène Philosophie. Voilà. Donc, comme vous voyez, c'est beaucoup de petits formats. Là, rien que sur les 7 shampoings, j'en ai déjà 5 qui sont en petit format. Donc, ça va partir extrêmement vite. Là, en ce moment, je suis sur ma gamme Fruits de la Passion. Je l'ai juste devant moi. Donc là, j'en ai encore pour un moment. Donc, dès que ma deuxième routine sera finie, bah, j'enchaînerai sur tous les petits formats. Et ma routine principale est en train de se terminer, c'est la gamme L'Oréal Expert. Donc de là, je vais échelonner entre cette gamme-là et entre la gamme Kérastase. Voilà, tout simplement. Donc du coup, honnêtement, les shampoings, ça va vite se vider dans mes stocks beauté.
Ensuite, au niveau des après-shampoings, j'en avais qu'un seul. Là, c'est pareil, c'est monté, je suis à 5. C'est pareil, c'est beaucoup de petits formats. J'ai aussi toujours la marque Verbena, c'est le conditionneur qui va avec pour que je puisse tester les deux en 30 ml. J'ai celui-là de la marque Redken en 30 ml. Pareil, c'est un petit après-shampoing. Celui-là en 50 ml qui est un après-shampoing, mais en même temps qui fait crème de coiffage. Voilà, donc ça fait après-shampoing, masque cheveux et crème de coiffage. Donc c'est un 3 en 1, mais ça clairement je vais l'utiliser en après-shampoing. Le petit Morning Street, comme ça, pareil, c'est du 30 ml. Et on a du coup le conditionneur, il y a de la poussière qui va avec le shampoing. Donc c'est pareil, c'est du 300 ml. Donc c'est l'après-shampoing. Donc comme vous voyez, c'est pareil, c'est beaucoup de petits formats. Quand j'aurai fini mon masque de ma deuxième routine, c'est pareil, les après-shampoings vont vite partir. Parce qu'en plus, c'est des petits formats, donc voilà, ça ne fait pas beaucoup d'utilisation. Donc voilà, il y a du stock, mais je trouve que c'est raisonnable parce que comme je vous dis, c'est beaucoup de petits formats. Au niveau des masques, j'en ai 3. J'ai ce masque-là, réparateur de la marque Sacha One en 30 ml. Donc c'est pareil, ça va partir extrêmement vite. Celui-là que j'ai eu dans la Blissim, c'est de la marque Écothérapie Revive, le Maria Nila. Donc masque hydratant en 250 ml. Et on a du coup le Kérastase qui va avec le shampoing. Donc ça c'est pareil, quand ma première routine L'Oréal sera terminée, j'échelonnerai avec ma gamme comme ça. J'utiliserai le masque là et quand j'utiliserai le Kérastase, j'utiliserai ce masque là. Tout simplement pour ma première routine, je vais échelonner entre deux gammes parce qu'en fait celui-là c'est tout simplement un masque ultraviolet. Et en fait je peux pas utiliser des masques violets toutes les semaines parce que sinon ça va déjaunir trop mon blond. Tout simplement, donc je vais échelonner une semaine sur deux et puis aussi pour le conserver parce que clairement je vais pas vous mentir, hein, mais rien que le masque il coûte 50 balles. Le shampoing, il est à 25 €. Alors, vous faites vite les calculs, on est vite à 75 €. Et clairement, voilà, vu le prix, comme je vous dis, je vais vraiment le conserver au maximum. Donc voilà, au niveau des masques, c'est pareil, c'est des gros formats, mais ma routine arrive sur la fin, donc ça va vite partir sous la douche. Et celui-là, il va partir très très vite, donc voilà, je ne me fais pas de soucis. Enfin, au niveau des soins, j'en avais 3, donc là c'est pareil, le stock a évolué. On est à 7 produits, mais c'est pareil, beaucoup de petits formats. Donc j'ai ma petite huile Nuxe comme ça, que moi je vais utiliser sur les cheveux. Voilà, comme je vous ai dit, moi j'utilise sur les cheveux. J'ai cette petite huile-là, c'est pareil, je vais faire des bains d'huile, c'est de l'huile de carotte. Tout simplement, voilà, je vais m'en servir comme ça parce que moi je mets pas de, je mets pas d'huile sur mon visage ni sur mon corps, j'aime pas ça du tout. En plus l'odeur et tout, je l'avais senti, j'aime pas, c'est vraiment pour pas le gaspiller parce que c'est Fanny qui me l'a offert et j'aime pas, j'aime pas gaspiller les produits qu'on m'offre. Un petit produit comme ça de la marque Aveda, c'est pareil, je l'utiliserai en soin, c'est un 10 ml. Donc ils disent intensificateur de boucle, mais voilà, moi je l'utiliserai en tant que petit soin sur mes cheveux. J'ai un petit spray comme ça, sans rinçage, de la marque Moroccan Oil. Ce petit produit-là, de la marque BAV Beauty en 30 ml, qui est une protection contre la chaleur. Et on a cette petite huile-là, c'est pareil, c'est pour le corps, le bain, les cheveux et tout. Moi je vais l'utiliser pour les cheveux. C'est de la marque la Sulzane de Saba. Voilà, une huile de beauté. Donc tout ça, ça sera utilisé sur les cheveux ou alors en barre d'huile ou alors en soins quotidiens sur les cheveux. J'ai trouvé cette semaine en allant chez Action, quand je filme, on est le mercredi 25 octobre, il me semble, si je dis pas de bêtises. J'ai trouvé du coup lundi, en allant faire un tour chez Action, ce petit kit comme ça. Donc c'est des sérums pour les cheveux, donc c'est des petits soins à laisser poser avant le shampoing ou alors après shampoing. Moi je vais les utiliser en tant que soin, je les laisserai poser une après-midi et tout. Donc voilà, j'ai trouvé ce petit kit là, donc qui est pas mal du tout. Donc il y en a 3 dedans, banane, pomegranate et mangue, voilà. Donc il y a 7 produits, normalement j'aurais dû en compter plus, mais le kit complet, je vais le compter comme un seul produit, donc du coup ça m'en fait 7. Donc voilà pour tout ce qui est cheveux, donc là ça va assez vite, on va passer avec la partie visage, et là il y a beaucoup de choses à vous montrer. Allez c'est reparti, hop, je viens de tout ranger devant moi, donc il y a encore beaucoup de choses.
Alors, au niveau des nettoyants pour le visage, j'en avais 6, je suis à 2, 4, 6, j'en ai 7. Franchement, je trouve que ça reste encore convenable. Sachant que là, j'ai mon Action à la rose qui arrive sur la fin. Je pense que peut-être ce soir, demain, grand maximum, il sera fini. Donc, clairement, mon stock sera à 6. Donc, très bien. Et c'est pareil, j'ai beaucoup de petits formats que Fanny m'a offert. Donc c'est parti, j'ai de la marque Elemis, j'ai un, alors c'est un baume nettoyant, voilà c'est ça, baume nettoyant hydratant, donc je vais l'utiliser en tant que nettoyant pour le visage parce que clairement mon démaquillant pour le teint j'en ai encore pour un bon moment, donc j'ai pas envie de garder, voilà j'ai pas envie de le garder comme ça dans mon placard pendant des mois et des mois, donc je vais l'utiliser en nettoyant, ça va partir assez vite. C'est un 50, c'est un 20 grammes, j'allais dire un 50 ml, un 20 grammes. Et j'ai également le nettoyant énergisant pour la peau en 30 ml. Donc ça, c'est des petits formats qui vont partir extrêmement vite. J'ai de la marque Medic 8. C'est une, pareil, une mousse nettoyante en 40 ml, nettoyant et purifiant. C'est pareil, il me semble que c'était noté en français derrière, mais c'est ça, c'est un, voilà, c'est une, un nettoyant en mousse tout simplement. Purifiant, nourrissant. J'ai aussi, hop, deux petits tubes comme ça. J'ai une gelée nettoyante, moussante, purifiante de la marque Payot en 100 ml. Et j'ai également une gelée nettoyante peau nette de chez Sephora en 125 ml. Voilà, 125 ml. Cherchez le grammage, mais je viens de vous le dire. Donc deux tubes et j'ai également deux formats solides. J'en ai un comme ça de chez Sephora à la coco. Voilà, que ça il me semble que c'est... Non, c'est pas moi qui l'ai acheté celui-là, ça c'est Manon. Et celui-là, voilà, nettoyant, savon nettoyant, visage et corps. Donc du coup, moi je vais l'utiliser en tant que nettoyant pour le visage. Voilà, comme ça on testera. C'est un 100 grammes à la clémentine et ça sent juste trop bon. Voilà, donc 7, je trouve que c'est plus que, c'est plus que convenable. Parce que, comme je vous dis, là j'ai le mien qui arrive sur la fin. Donc clairement... je sais que cette semaine, mon stock repartira à 6. Ensuite, au niveau des toniques. Alors, j'en avais, au niveau des toniques, j'en avais 2. Bon, là, ça a remonté. Hein. Clairement, je suis à 5. Bon, là, je vais pas changer de tonique maintenant. J'ai entamé le mien il n'y a pas longtemps. Alors, au niveau des toniques. J'ai ce petit format-là. Pareil, il va partir très très vite. C'est du 30 ml. C'est la marque Emma Hardy. Voilà, un petit spray comme ça, nettoyant pour le visage. J'ai deux brumes, merci Andy, que je vais détourner en tant que nettoyant pour le matin, pour le visage. Donc, on a la Flower Power et la Chill Out. Voilà, donc c'est des petits formats, je crois, c'est du 30 ml, vous voyez. 30 ml, donc ça va partir très vite. J'ai le nettoyant de chez Lidl, le Exotic Coco en 150 ml. Le détox tonique visage en 150 ml. Donc, bon, ça, je sais que j'en aurai pour un moment. Et celui-là que j'ai acheté tout récemment chez Aldi. Ils ont ressorti des produits de beauté, donc j'ai pris ça. La marque La Cura, c'est une lotion tonique visage. Voilà, en 200 ml. Donc, je trouve que c'est... voilà, je trouve que c'est tout à fait convenable. Alors, ça fait quand même beaucoup pour un seul visage. Mais j'ai quand même 3 petits formats. Et comme je vous dis, voilà, les petits formats vont vite partir. Et je sais très bien que je ne vais pas en acheter maintenant. Hormis si j'en ai dans mes box Blissim. Ou alors dans mon calendrier de l'Avent. Parce que c'est pareil, je vais me prendre le calendrier Blissim en calendrier de l'Avent cette année. Donc je sais du coup, j'aurai encore des produits de beauté. Mais voilà, sinon j'achète plus du tout de produits de beauté. Ou alors très très rarement quand c'est un produit que j'ai envie de tester. Et que je sais qu'il ne restera pas dans le commerce pendant des mois et des mois. Au niveau gommage pour le visage, on était à 3, je suis à 5. C'est pareil, j'ai mon Evoluderm qui arrive sur la fin. Plus qu'une utilisation et il sera terminé. Donc comme ça, je pourrais utiliser mes stocks. Alors, j'ai celui-là, le gommage granité ressourçant de chez Nuxe. Donc celui-là, ça sera mon prochain parce que c'est un petit format, c'est un 30 ml. Ensuite...
De la marque Patika, le petit gommage sorbet éclat en 50 ml. Donc je l'avais aussi eu dans ma Blissim. Donc ce que j'ai fait, c'est que ma swappée, quand si elle passe dans cette vidéo-là, mais c'est sûr elle passera. Du coup, je lui ai mis dans son colis comme ça, elle pourra tester aussi. Je lui ai mis celui que j'avais eu dans ma box et j'ai gardé celui de Fanny. Ça sert à rien que j'en ai deux. Et puis au vu de la quantité de gommage que j'ai et je fais un gommage visage qu'une fois par semaine, je vois pas l'intérêt. Donc voilà, j'ai celui-là. J'ai de la marque La Rosée, un gommage doux visage à l'aloe vera bio, 60 ml. De Yves Rocher, le gommage éclat ultra fraîcheur pure algue en 60 ml. Et j'ai celui-là de Hello Body, qui est pareil, un scrub rose effect. Alors par contre, celui-là, j'ai un doute. Alors ils disent que c'est une crème nettoyante. Est-ce que je le mettrai pas dans mes... Ouais, peut-être que je le mettrai plus dans mes nettoyants du coup, vu que c'est une crème nettoyante. Ouais, formule douce pour usage. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais le mettre en tant que nettoyant. Donc du coup, au niveau des nettoyants, je monte à 8. Et au niveau des gommages, 4. Voilà, je vais faire ça parce que vu qu'ils mettent que c'est une crème nettoyante et que c'est usage quotidien, ça partira en nettoyant. Donc du coup, en tant que gommage, j'en ai que 4. Donc très bien. Et après, bon, bah, c'est pareil. Au niveau des nettoyants, je suis pas prête d'en racheter avec tout ce que j'ai. Au niveau des eaux micellaires, j'en ai que 2 et j'en avais 2. Le stock a pas bougé, c'est très bien. Donc j'ai l'eau micellaire comme ça de chez Lidl que j'avais eu en produit gratuit. Voilà, avec l'application, vous avez des moments, des produits gratuits quand vous atteignez des paliers. Donc du coup, j'en avais repris une. Voilà, peau normale à mixte, etc. Très bien, et j'ai aussi cette eau micellaire là que j'ai eu dans ma box de l'été en 500 ml de la marque Bioderma, c'est la créaline H2O. Voilà, donc là j'ai de quoi faire au niveau eau micellaire, donc c'est pareil, je ne suis pas prête d'en racheter. Niveau démaquillant pour le teint, je n'ai rien du tout. Voilà, j'en avais 2 et là j'ai écoulé mon stock. Au niveau des sérums, j'étais à 4 sérums, là je suis de 4, 6, j'en ai 6. Alors c'est pareil, c'est beaucoup de petits formats. Là au niveau de mon sérum Yves Rocher, bon j'en ai encore pour un moment, clairement c'est pas maintenant que je vais le finir. Mais bon, c'est beaucoup de petits formats qui s'écouleront au fur et à mesure. Donc on a de la marque Save un petit sérum botanique purifiant anti-imperfection. J'ai ensuite l'appel de la forêt, le double sérum éclat et jeunesse de Garantia. Ça, je l'avais eu dans la Blissim, je l'avais utilisé. Fanny me l'a réoffert, ça c'est une pépite, c'est un double sérum, il est trop trop bien. Donc très contente de le revoir et en plus ça dure une éternité. Moi je me souviens que mon flacon m'avait duré un moment. J'ai ce produit là, le booster Hydra Ressourçant de la marque Algologie en 15 ml. J'ai de la marque Innisfree en 30 ml, un petit sérum hydratant aux graines de thé vert. De la marque Jlim, un sérum illuminateur en 25 ml. Et j'ai de chez Action, un sérum comme ça au goji en 30 ml qui n'existe plus. Ça fait longtemps que je l'ai, mais bon, il n'est pas ouvert, rien du tout. Donc il n'y a pas de danger au niveau des dates de péremption. Donc comme je vous dis, de 4, donc j'en ai 6. Donc c'est pareil, le stock a évolué, mais comme je vous dis toujours, moi les produits pour le visage, je ne me souviens pas en avoir acheté, tout ce qui est crème, sérum et tout, mais j'en ai souvent dans les Blissim, on m'en offre souvent, donc, et comme c'est long à utiliser, ben c'est ce que je vous dis toujours, après les stocks sont énormes. On va passer aux crèmes visage. Comment vous dire que là mon stock a pété tous les records, j'étais à 14 crèmes, je suis à 21 crèmes pour le visage, c'est énorme. Il y a beaucoup de crèmes que déjà on m'a offert, beaucoup de crèmes que j'ai reçues dans la Blissim. Donc là le stock est juste monstrueux. Je tiens à préciser, là je pense que ce soir ça sera terminé, ma crème Yves Rocher va se finir, donc du coup je vais remettre en route une nouvelle crème, je sais pas encore laquelle, d'ailleurs il va falloir que je la choisisse, je sais pas encore je vais partir sur quoi comme crème, mais je pense que je vais attaquer un petit format. En attendant que je finisse mon sérum et mon contour des yeux pour repartir sur une routine intégrale. Là, je ne sais pas encore. Ouais, je vais partir sur celle-là. C'est bon, j'ai trouvé ma petite crème. Mais voilà, juste pour préciser. Donc là, je suis à 21 crèmes, mais je vais passer à 20 parce que je finis ma crème Yves Rocher.
Et c'est pareil, Manon m'avait offert ces peelings-là il y a hyper longtemps. Donc c'est pareil, je vais en mettre un en cours de route. Je pense celui-là, le peeling quotidien. Donc du coup, ça me fera deux produits en moins crème dans mes stocks. C'est pareil, je vais les mettre en route. Donc je pense qu'il faut que je me renseigne. Mais je vais essayer de les utiliser une fois ou deux par semaine. C'est des petits peelings pour enlever les paumeurs, tout ça. Donc de Make Up Revolution. Donc ça, c'est pareil, je vais en mettre en route. Je vais en mettre un en route. Comme ça, ça écoulera un petit peu, ça me fera deux produits de moi. Bon, c'est pas ça qui va me vider mon stock, mais bon, écoutez. J'essaye, comme je vous dis, d'utiliser une crème le matin, une crème le soir. Après, j'ai beaucoup de petits formats aussi, donc voilà, on fait ce qu'on peut. Donc, c'est parti. Pour commencer, au niveau des grands packaging, j'ai la crème là, Tony Moly. Je sais plus, au niveau de la quantité, je crois que c'est une 40 ml. On a ensuite, de chez Caudalie, une crème sorbet hydratante en 40 ml. De la marque Laponie, une crème pour le visage en 40 ml. De la marque Innisfree, on a une petite crème pour le visage en 20 ml que je vais utiliser en duo avec le sérum. Du coup, mes deux peelings de chez Make Up Revolution, c'est du 30 ml. Ensuite, encore au niveau des gros formats, j'ai cette petite crème-là. Je ne sais même pas c'est quoi la marque I'm From, je pense. Donc c'est un gros pot de 50 ml, hein, je pense. Si je trouve la quantité. Ouais, je trouve pas de quantité, mais je pense que c'est un pot de 50 ml. Voilà. On a la petite crème comme ça, matifiante, de la marque Body Pharmacy. Pareil, ça doit être une 50 ml. Ouais, c'est ça, 50 ml. Ensuite, un tube comme ça de gel crème hydratant, la rosée, 60 ml. De la marque Respire, pareil, un gel crème hydratant, 50 ml. Un fluide hydratant, apaisant pour le visage, toujours la gamme Exotic Coco, 50 ml. Ensuite, on a un petit format comme ça, Polar crème hydratante aux sources des glaciers, 20 ml. On a de chez Garancia la Diabolique glaçon en 15 ml. Une crème hydra repulpante de la marque Bernouès. De Dr. Reno, un gel crème matifiant au citron vert, c'est du 20 ml. De la marque La Canopée en 50 ml, une petite crème universelle. De la marque Imparfaite, une crème de nuit en 30 ml. De la marque Yoma Paris en 15 ml, une petite crème comme ça, émulsion exfoliante douce. Un petit format spray comme ça, une crème pour le visage, c'est du 50 ml. Une petite crème comme ça pour les boutons, c'est du 10 ml. Et enfin, une petite crème Lancôme, anti-stress. Pareil, c'est un format 15 ml, mais ça, comme je vous dis, c'est ma prochaine crème. C'est Fanny qui me l'a offerte et je pense qu'elle avait déjà commencé à l'utiliser et j'ai vraiment envie de la tester, du Lancôme quoi. Là, l'odeur, c'est une tuerie. Donc voilà, il y a déjà, comme je vous dis, deux produits qui vont sortir demain de mon placard. Au niveau contour des yeux, j'en avais deux, je suis à 3. Donc ça va, c'est pas alarmant. Après, c'est très long à finir, mais c'est pas alarmant. J'ai un contour des yeux Caudalie, soin liftant, regard, c'est un 5 ml. De la marque Voilà en 15 ml, un contour des yeux. Et de la marque Imparfaite, un contour des yeux, pareil, 15 ml. Voilà. Au niveau démaquillant pour les yeux, et après c'est tout, je pourrais ranger ce que j'ai sur ma coiffeuse. Voilà, j'ai un petit stock de démaquillant pour les yeux comme ça, de chez Yves Rocher, au bleuet, 200 ml. Il est très bien, je l'adore. Donc du coup, j'en ai qu'un seul de démaquillant pour les yeux. Donc voilà pour tout ce que j'ai sur ma table. Donc là, je vais tout re-ranger et je vais vous montrer la suite des produits pour le visage. Allez, on continue. Alors, au niveau des masques en tube, j'en avais 6. Alors là, clairement, c'est pareil. Le stock a dû exploser parce que j'ai mis une petite blissime. J'ai recyclé une blissime pour mettre mes produits masques en tube. Donc j'en ai 2, 4, 6, 8, 10 et 12. Clairement, voilà, le stock a pété. Donc j'en ai eu beaucoup, comme je vous dis, dans le colis de Fanny. Clairement, avec le petit colis où elle m'a donné plein de produits qu'elle a eu dans des box qu'elle n'utilise pas, le stock a plus qu'augmenté. Donc je vais vous montrer tout ça. J'ai déjà eu 2 masques Garancia. Donc on a le masque high-tech liftant, hydratant, repulpant, c'est des 10 ml, et celui-là qui est nourrissant, apaisant, préventif. Voilà. Celui-là qui est un masque de la marque Vitsé, je pense. C'est un petit masque comme ça en 20 ml. Mon masque Caudalie, masque crème hydratant en 15 ml. On a ensuite le masque de la marque Imperfect. Pareil, c'est un masque peeling en 30 ml. Un petit masque comme ça de la marque Corès, c'est au yaourt grec.
c'est 20 ml. Un masque Clarins, c'est un masque nuit relaxant en 15 ml. Un masque aussi comme ça, de nuit, Skin Régiment, je pense, au niveau de la marque, je ne sais pas du tout. On a ensuite un masque comme ça de chez Sephora, c'est Smoothie Açaï. Ce tube-là de 50 ml, c'est un masque Embryolis. Et on a deux masques en peau. Donc j'ai celui-là qui vient d'Espagne, que ma copine m'a ramené. C'est de la marque Detox Skin Food, je pense. Et celui-là en 50 ml, c'est pareil, de la collection Rose Balance. Voilà, masque visage. D'ailleurs, il est encore en... il est encore en vente, ils ont ressorti la gamme, je vais y arriver. Par contre, je vois que c'est nettoyant, purifiant. Alors, est-ce que je pourrais pas... Non, laisser agir 10 à 15 minutes. Non, j'ai dit des bêtises. Parce que sinon, je l'aurais utilisé en tant que nettoyant. Mais non, c'est nettoyant, purifiant et il faut laisser poser 10 minutes. Donc, je ne pense pas que je peux. Ou alors, on verra. Si à l'utilisation, je vois que je peux l'utiliser en nettoyant, il sera utilisé en nettoyant, mais... on verra. En tout cas, voilà, j'en ai beaucoup. Là, j'ai mis beaucoup de masques en sachet en tube. Parce que c'est pas en sachet en tube, en route. Les masques en, voilà, en sachet, quoi. Parce que j'en ai beaucoup aussi à utiliser. Donc, j'essaye de les utiliser de temps en temps. Mais voilà, j'ai encore beaucoup de stock. Après, les masques tubes, même si c'est des petits formats, ça prend du temps. Donc, comme je vous dis, je les utilise au fur et à mesure. Mais là, le stock a bien pété. Au niveau ensuite des masques en tissu. Alors, j'en ai un dans le frigo. C'est le masque... bah c'est celui-là. Voilà, je l'ai eu en deux fois. Donc ça m'en fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ça m'en fait 16 de masques. Donc c'est pareil, le stock... a bien évolué, mais bon, les masques, comme je vous dis, moi en général, j'essaye d'en faire un par semaine. Ça m'en fait 4 de mois dans le mois, et c'est pareil quand j'en achète, c'est très très rare, hormis s'ils font des collections Disney ou alors si c'est des collections de Noël, comme là, normalement je devais les prendre pour ma swapée, mais que finalement je les ai pris pour moi parce qu'elle les avait déjà achetées. Mais sinon, voilà, j'essaye de faire gaffe à l'utilisation, aux achats plutôt de mes masques. Alors, je vais vous montrer rapidement ce que j'ai. J'en ai deux. De la marque Inoue, comme ça. Donc, c'est Coco Water Gel. Donc, ça doit être des masques hydrogel, je pense. Donc, on en a deux comme ça. J'ai un petit masque de chez Action, comme ça. Celui-là, je le connais très, très bien. J'ai celui-là de chez Sephora. C'est les collections Noël, hein, à la cannelle. Les petits masques, du coup, de Noël qui seront mis en route pour le mois de décembre avec le pain d'épices, le Père Noël, le pingouin, le renne. Voilà. On a ensuite mes petits masques princesses, donc j'en avais trouvé que 3, mais il y en avait 4. Le Blanche-Neige, le Cendrillon, et ça c'est dans la Princesse et la Grenouille, je sais plus son prénom. Là je sais plus son prénom. Alors là chez Action, j'ai pas trouvé les masques Shrek, j'y suis encore allée lundi, je suis pas tombée dessus. J'ai ensuite les deux de la Petite Sirène. Voilà, après moi je crade beaucoup sur les packagings, franchement. Là ils ont encore sorti des nouveaux masques princesses. Hein. Et les deux du coup comme ça, de 101 Dalmatien, avec Pampan et Bambi, et 101 Dalmatien. Voilà. Donc au niveau des stocks, donc c'est pareil, j'essaye de limiter au niveau des achats ou vraiment si j'ai un coup de cœur parce que j'en ai beaucoup. Après, au niveau du coup des masques en sachet, ouais, je ne l'ai pas noté, je vais le noter après. Alors, au niveau des masques en sachet, je vais le noter. Voilà, c'est noté sur mon cahier. Alors, au niveau masque en sachet, bon, j'ai ce petit masque-là de nuit de la marque Bilif. J'ai également ce petit masque-là en 3 en 1, on a un nettoyant, le masque et l'hydratant. Ensuite, j'ai celui-là, crème à la fraise Disney Princesse. J'ai ça, j'ai la première partie qui est dans mon, panier. On a celui-là, Titri, hop, en sachet. J'ai également celui-là, l'autre partie est dans mon panier aussi, des vilains de chez Essence. Celui-là qui a la gaufre de chez Emma que je n'ai toujours pas utilisé. Voilà, et au niveau des masques en sachet, c'est tout ce que j'ai parce que j'avais laissé une bonne partie dans mon panier. Donc ça m'en fait 2, 4, 6 et 7. 7, voilà. Donc je compte pas ceux qui sont dans mon panier, même s'ils sont pas encore utilisés. Mais c'est prévu prochainement. Donc j'en ai 7 et j'en avais 7. Voilà, 7. Le stock n'a pas bougé. C'est très bien. Et au niveau des autres masques, donc j'ai un masque ici pour les lèvres, sachant que j'en ai un autre dans le frigo. Donc ça m'en fait
ça m'en fait deux de masque lèvres. C'est pareil, je ne l'ai pas noté sur mon cahier. Voilà, c'est noté. Donc j'ai celui-là et j'en ai un autre qui est dans mon frigo, comme je vous dis. Au niveau des masques mâts, c'est pareil, j'en ai un autre dans le frigo. Donc du coup, ça m'en fait deux aussi. Donc au niveau de mes stocks, ça ne bouge pas. Bon, là, l'hiver va commencer à arriver, le froid va commencer à arriver. Donc là, je vais en refaire. Des masques pieds, j'en ai quatre. J'ai le cendrillon dans le frigo. J'ai celui-là de chez Sephora. Masque pied à la coco, édition de Noël. Et j'ai les deux là que j'avais acheté chez Lidl. Je crois que c'était un acheté remis sur le deuxième. Voilà, donc les petits masques pour les pieds. Comme je vous dis, là, je vais en faire un peu plus parce que je vais en faire un peu plus parce que du coup, le froid commence à arriver. Donc au niveau masque yeux et au niveau masque pour les cheveux, je n'ai rien en format sachet. Voilà pour tout ce qui est masque. Donc on va passer avec ce qui est pour les lèvres et puis ce sera tout pour les produits pour le visage. Et j'ai envie de vous dire, c'est déjà pas mal au vu de la quantité que j'ai. Hop, je referme. Alors, au niveau gommage pour les lèvres, il me semble que j'en avais que deux. Et là, j'en ai toujours deux. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai les deux là que Manon vient de m'offrir. Elle m'a offert celui-là au citron récemment et celui à la rose. Voilà, c'est mes gommages préférés et les seuls qui sont accessibles facilement pour moi. J'ai également celui à la coco qui est en cours de route et j'ai fini celui à la framboise. Franchement, ils sont trop trop bien. Vraiment, ça gomme super bien et en même temps, ça hydrate et c'est hyper long à finir, donc vous avez le temps. Bon, après moi, c'est pareil, les gommages comme ça, j'en fais un qu'une fois par semaine, c'est pour ça que c'est aussi long. Au niveau baume à lèvres, j'en ai 14. J'en avais 14, donc là, on va compter ensemble ce qui me reste. Donc, j'ai un Carmex, un Aurésis, de chez Sephora, celui-là à la coco. J'ai celui-là, alors c'est de la marque Tri et Marie Lopez, baume à lèvres jour, pomme cannelle, édition limitée. Donc je connais pas trop, c'est 10 ml, ça c'est parfait pour l'hiver qui arrive. J'ai ce petit format-là de baume à lèvres. J'ai de la rosée, la compagnie de Provence, ça c'est tout ce qui est blissima. J'ai celui-là au Mongongo, mandarine verte et gingembre. J'ai celui-là au melon. J'ai celui-là à la coco de chez Action. J'ai ceux-là, c'est pareil, c'était des kits que Fanny m'a offert il y a très longtemps. Donc c'est Strawberry et Tropical Punch. Et j'en ai trois au Coca, Coca Vanille, Coca Cherry, Coca Classique. Voilà au niveau des baumes à lèvres. Donc ça m'en fait 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 14. Voilà, j'en ai 14. Donc ça me fait encore un beau stock et mon stock n'a pas évolué. Donc c'est pareil, des baumes à lèvres, je n'en achète plus, hein, évidemment, vu tout ce que j'ai. Et c'est pareil, c'est long à utiliser. Bon là, c'est pareil, le froid arrive, donc du coup, les lèvres commencent à être abîmées. Mais là, je ne vais pas en racheter de sitôt. Voilà pour tout ce qui est pour le visage. Donc on va finir avec toute la partie corporelle. Voilà, alors c'est pareil, je vais commencer avec une première partie parce que là, j'en ai déjà beaucoup autour de moi. Donc on va commencer avec déjà les petits déodorants billes. Donc j'en ai trois en stock. J'ai voilà, celui-là de chez Yves Rocher à la camomille que j'utilise en déo pour le soir. J'ai les deux là de chez Nivea. Vous savez que c'est mes préférés. J'en ai encore un en cours d'utilisation que je suis en train de finir. C'est mon déodorant chouchou. Je l'utilise autant la journée que le soir. Il est trop trop bien. Donc c'est pour ça, dès que je le trouve en promo, je l'achète. Il sent bon, il ne fait pas transpirer, pas de mauvaise odeur, pas de traces et tout. Il est génial. J'en ai trois et je viens de penser que j'en ai un quatrième. Je vais vous le montrer, il est tout en haut. Hop, j'ai également celui-là aussi que je vais utiliser en période d'hiver. C'est le déodorant comme ça de chez Lidl. C'est à la vanille, caramel et cannelle. Donc c'est le genre de déodorant qu'il faut utiliser en hiver quand on transpire pas trop, parce qu'en été, c'est pas terrible. En 200 ml, j'ai le gel douche qui est en cours d'utilisation en ce moment. Donc du coup, ça m'en fait 4. Donc là, niveau déodorant, je suis tranquille pour un moment. Donc c'est pareil, mon stock a évolué vu que j'en avais que 2. Mais là, avec la découverte du déodorant Nivea, c'est juste un gros coup de cœur. Au niveau des gommages pour le corps, j'en ai 3.
Donc ça va. Par contre, je viens de penser, c'est pareil, j'en ai dans des coffrets, je vais vous les montrer. Voilà, donc du coup, j'en ai pas 3 dégommages, du coup, j'en ai 5. Ouais, c'est ça, 5. Donc j'ai ce petit coffret-là, Jelly Belly, donc c'est un gommage comme ça pour le corps. Que je vérifie bien, c'est ça, c'est un exfoliant pour le corps. Donc on verra si il exfolie vraiment le corps, sinon il sera détourné en tant que gel douche. Mais pour le moment, je le mets dans la catégorie exfoliant pour le corps. Et par contre, je me suis trompée. Dans la petite pochette là, c'est un gel douche et une crème pour le corps. Donc je me suis trompée. J'ai 4 gommages. Donc celui que je vous ai montré dans le coffret. J'ai celui-là que j'ai eu dans la Blissim, le Ritual of Ayurveda. Voilà, Ritual, c'est une tuerie. Donc c'est un pot de 125 grammes. J'ai également le cottage à la vanille. Je l'ai eu par Stéphanie. Ça a été un gros coup de cœur. Donc là, je l'ai eu une nouvelle fois par Fanny. Très bien, voilà, le petit gommage. Donc très contente de le ravoir en 250 ml. Il lave, mais en même temps, il exfolie la peau. Et j'ai ce petit gommage-là à la pastèque de chez Aldi. Donc en fait, c'est juste des grains. Et il faut, avec votre peau mouillée, ça se transforme en lait pour le corps. Un petit peu en mousse. Et voilà, ça exfolie le corps. Oh là là, ça me gratte dans la gorge. Parce que c'est la poussière. L'air de rien, il y a de la poussière qui s'accumule. Pourtant, je fais le ménage régulièrement, mais la poussière s'accumule. Donc du coup, au niveau gommage, on a dit 4. Et j'en avais 3. Bon, ça va, c'est pas non plus dramatique. Là, j'ai mis en route celui au fruit de la passion. Donc je vais pas le terminer tout de suite. J'en ai encore pour un moment. Au niveau crème pour le corps, j'en ai beaucoup. Là, je suis à... Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, ouais, c'est ça. Donc, j'en ai 9. Donc là, j'ai quand même battu... voilà, j'ai quand même battu voilà, j'ai battu le record, on va dire. J'en ai beaucoup. Ouais, non, je réfléchis, mais j'ai rien oublié. Donc, j'en ai 9. Donc, c'est pareil, dans le petit coffret comme ça, de chez Action, j'ai une petite crème pour le corps. Donc, on a gel douche et crème. Voilà, donc on a cette petite crème-là. Donc, je mettrai en route les deux. Donc, c'est du 50 ml. Bon, ça, après, ça va vite partir. Et moi, les crèmes pour le corps, j'essaye toujours d'en mettre deux en route en même temps. Comme ça, ça part plus vite. On a un petit format comme ça, Ritual en 10 ml. Ça, c'est pareil, ça va partir extrêmement vite. Je me fais pas de soucis. Bon, ça, c'est une huile pour le corps au monoeil. À voir, à l'utiliser en été, parce que moi, c'est pas mon truc du tout. Les huiles comme ça pour le corps, voilà, c'est au monoeil. Ensuite, on a cette petite, pareil, crème pour le corps après soleil, senteur monoeil et tout, de la marque Aquaero. Voilà, donc une petite crème pour le corps nacrée. C'est du 100 ml. Ensuite, on a cette crème corps-là que j'ai eu récemment par ma maman, framboise menthe poivrée. C'est un Lécor Énergie d'or 200 ml. Voilà. J'ai les deux pots comme ça que Fanny m'a offert de la marque Beauty Dev. J'avais jamais vu passer ces gammes-là. Donc, c'est Very Berry et Pineapple Paradise. Donc, c'est des beaux pots de 250 ml. J'ai celui-là, hop, de chez The Body Shop à la clémentine en 200 ml. J'ai le gel douche qui va avec. Et pour finir, j'ai cette petite crème-là pour le corps faite maison par ma copine Julie. Je ne sais plus ce qu'elle avait mis dedans. Je crois que c'était beurre de karité et je ne sais plus quoi. Mais en tout cas, voilà, ça sent super bon et c'est une bonne crème pour startiner le corps. Donc là, en plus, avec le froid qui va arriver et tout, j'ai quand même de quoi faire au niveau crème, crème assez nourrissante pour le corps. Parce que voilà, c'est pareil, en hiver, bon, on a la peau du corps et tout qui sèche un peu plus vite. Donc là, j'ai de quoi m'hydrater le corps cet hiver. Donc voilà, il y a encore beaucoup de crème. Après, bon, comme je vous dis, il y a des petits formats qui vont partir assez vite, mais j'essaye toujours d'en mettre au moins deux en cours de route en même temps. Comme ça, les stocks partent plus vite. Là, au niveau crème, j'ai fini ma crème Vendini, mais j'en ai encore deux en cours de route. Je ne vais pas finir tout de suite. Donc bon, là, pour le moment, mes stocks vont stagner, mais c'est pareil. J'ai de quoi faire pour l'hiver et je ne vais pas racheter de crème pour le moment. Vous en doutez bien. Au niveau des brumes pour le corps, bon bah là j'en ai beaucoup, j'en ai reçu beaucoup dernièrement. J'ai la petite brume qui va avec le petit coffret, la petite trousse que j'ai à vous montrer, Ananas de chez Action. J'ai cette petite brume là, c'est Manon qui me l'a offert, You Are Beautiful en 100 ml, je ne sais pas où elle l'a eu, je ne sais pas du tout. Ensuite, de chez Lidl, c'est pareil, j'ai celle-là à la coco.
de chez Yves Rocher, la collection de cet été, Fleur des Sentiers. De la marque Avon, en 100 ml, j'ai cette brume-là, orchidée et blueberry. Ça sent juste trop trop bon. Ça, quand je l'ai senti, une tuerie. C'est hyper parfumé, c'est hyper agréable. Et j'ai celle-là que Fanny a commencé à utiliser, la bubble tea à la banane. Voilà, donc j'ai de quoi faire au niveau brume. Là, c'est pareil, ma brume. C'est pareil, j'ai ma brume pour le corps. La mini chez Action qui est en train de se finir. Pareil, je pense que je vais la finir cette semaine. Comme ça, ça va me permettre d'en remettre une en route. Et c'est les plus petits formats, donc c'est pareil, ça va partir beaucoup plus vite. Là, j'étais sur une 250 ml, sachant que je ne me parfume pas tous les jours. Donc comment vous dire que voilà, ça part doucement. Donc là, ça y est, c'est en train de se finir. Comme je vous dis, cette semaine, ça sera fini. Donc il y en aura déjà une de moins dans mes stocks. Donc j'en ai 6. Donc c'est pareil, hein, les stocks ont bien évolué. J'en avais combien? Ouais, j'en avais 2. Je passe à 6, ça fait beaucoup quand même. Voilà. Au niveau du bain, donc j'en avais... Produit pour le bain, j'en avais combien? J'en avais 11. Là, clairement, les stocks ont dû évoluer aussi. Fanny m'en a énormément offert là dans le swap. Elle m'a offert beaucoup de produits de la marque Friends qui était chez Noz. Donc là, ça a bien évolué aussi. Alors, je vais compter tout ça hors caméra parce qu'il y en a beaucoup et je vous dis quoi. Alors, je suis à 17. Bon, c'est bien ce que je vous disais. Le stock a explosé avec tout ce que Fanny m'a offert récemment. Et vous savez, je ne prends pas des bains tous les jours. Déjà, bah, financièrement parlant, c'est pas possible et j'ai pas le temps de prendre des bains tous les jours. Donc voilà, c'est... Du coup, j'ai pareil, j'ai de quoi faire pour un bon moment. Alors, c'est parti. J'ai d'abord une tablette comme ça de bain de la marque Friends. J'ai également ce produit-là, c'est pareil, une tablette pour le bain de la série Friends. Ensuite, on continue. Je vais tout tomber. J'ai ce petit coffret-là, si j'arrive à le sortir, avec les petits homards rouges comme ça, pareil, Friends. J'ai eu ce mois-ci une blissine en collaboration avec la marque Inuit. Donc du coup, j'ai eu un bain moussant comme ça. Voilà. Des salles de bain comme ça, toujours de la série Friends. Une bombe de bain comme ça, bubble tea, rhubarbe et custard, je sais pas c'est quoi, c'est du 100 grammes. Des cristaux comme ça pour le bain collection princesse. Je vais mettre là. Un petit donut, pareil, c'est la marque Inuit que j'ai eu dans ma blissime. Les petits, comme ça, pastilles colorants pour le bain, la Reine des Neiges, pareil que j'ai eu à Lidl pour ma fille. Ensuite, j'ai des petits galets comme ça, effervescents, pareil, la collection Friends aux huiles essentielles. Voilà. Ensuite, une petite bombe comme ça en tête de mini, une petite bombe comme ça canard, pareil, pour le rappel de la série Friends. Le petit canard comme ça jaune pour le rappel de la série Friends. Un galet comme ça, les délices de Nocibé. J'ai un petit galet comme ça, pareil Disney Princesse. Et j'ai deux petits galets comme ça, Sephora, Mangue et Thé Vert. Hop. Donc en général, j'essaye aussi de mettre plusieurs produits de la même couleur dans le bain pour un peu vider mes produits pour le bain. J'essaye de faire ça. Par exemple, là, je sais que le petit canard, je vais le mettre, mais je mettrai d'autres produits dedans parce que bah, les pastilles comme ça blanches, ça ne fait rien dans le bain. Donc du coup aussi, ça me permet d'écouler un peu plus mon stock. Voilà pour la première partie au niveau des produits pour le corps. On va finir avec bah, la dernière partie et on clôturera enfin cette très longue vidéo. Allez, on va finir cette vidéo. Alors au niveau crème pour le corps, j'ai oublié de vous montrer ça. C'est pareil de la marque Verbena. C'est tout un petit lot que Fanny m'a offert. Donc on a aussi une petite crème comme ça pour le corps. Donc du coup, j'en ai pas 9. J'en ai 10, mais bon, voilà, c'est un petit format, c'est pareil. Ça va partir extrêmement vite. Voilà. Alors, au niveau des gels douche, j'en avais 2. Je suis à 2, 4, 6. Bon, j'en ai 7, mais bon, c'est pas des gels douche que je vais utiliser tout de suite parce que c'est principalement des gels douche où j'ai les crèmes pour le corps. Donc, du coup, je voudrais utiliser les deux en même temps. Donc, on a les deux petits comme ça, pareil, de la marque Verbena. Donc ça c'est pareil, c'est des 30 ml, ça va partir extrêmement vite. J'ai les deux crèmes là, bah, avec les crèmes pour le corps. Donc j'ai le voilà, Pineapple Paradise et Very Berry. Voilà, donc je vais utiliser les crèmes pour le corps en même temps que j'utilise les gels douche. Donc c'est des 200 ml. Pareil, j'ai le gel douche The Body Shop à la clémentine. C'est pareil, je vais utiliser la crème corps en même temps. Je ne vais pas le mettre en route tout de suite, c'est un 250 ml. La petite... alors ça, c'est un... Donc on peut l'utiliser en bain moussant, mais également en tant que gel douche. Donc du coup, je vais le laisser en tant que gel douche, mais il sera aussi utilisé en tant que bain moussant. C'est The Body Shop, voilà, c'est au kiwi.
Donc c'est les petits gels douche qui font également bain moussant. Donc je vais l'utiliser pour les deux, mais je vais le compter dans les gels douche. Et j'ai également ce petit gel douche là, Spa Luxénique White Jasmin en 235 ml. Voilà, c'est pareil que Fanny m'a offert. Donc ça fait quand même beaucoup de produits, 2, 4, voilà, 6, 7, ça fait quand même beaucoup de produits, mais c'est pareil, c'est des... Bon, il y a les petits formats, et il y a aussi le fait que c'est des gels douches qui sont en commun avec des crèmes pour le corps, donc je voudrais utiliser les deux. J'ai un pensé, j'en ai pas 7, j'en ai 9, j'ai la crème pour le corps, le gel douche plutôt, qui va dans ce coffret-là, qui va avec l'exfoliant, et j'ai également un petit gel douche aussi, qui va avec cette crème là. Donc du coup j'en ai 9, j'en ai pas 7. Donc ça fait beaucoup de produits. Mais comme je vous dis, je veux utiliser les duos. C'est pour ça que quand j'achète des gels douche, c'est très rare que vous me voyez acheter les crèmes corps qui vont avec. Parce que les crèmes corps c'est trop long à utiliser. Donc hop, je préfère juste acheter les gels douche et je prends pas la crème. Ou alors si vraiment j'ai pas de stock de crème pour le corps. Au niveau des gels mains, il m'en reste 2 qui sont en bas parce qu'ici, si j'en ai ici, je vais vous montrer, j'en ai 2 en bas qui sont les collections de Noël, donc il m'en reste un de la collection de Noël Yves Rocher, c'est celui de l'année dernière au fruit rouge, je sais plus c'était quoi la collection, et j'ai également celui au pain d'épices de chez Aldi que Fanny m'a offert dans le colis en format mousse, et j'ai également racheté un gros gel main comme ça en stock d'un litre. Donc pour remplir mes pousses mousse en haut ou alors en bas, voilà, tout simplement. Donc du coup j'en ai 3, mais sinon j'ai plus d'autres gels pour les mains. Bon, ça m'en fait encore beaucoup, mais ça j'aime bien toujours en avoir d'avance. Donc voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, c'est pareil, il y a la collection, j'ai reçu le prospectus pour la collection de Noël Yves Rocher. Donc là je vais passer commande, je vais regarder tout à l'heure, je vais me poser, je vais passer commande. Donc c'est pareil, ma collection, mes produits de beauté vont s'agrandir parce que chaque année j'achète les collections de Noël et j'achète les coffrets aussi en cadeau pour ma famille. Donc du coup des gels pour les mains, c'est pareil, je vais acheter les collections de cette année. Donc mon stock réagrandira, mais voilà, là c'est les collections de Noël, vous savez je les achète tous les ans. C'est ça c'est un incontournable sur ma chaîne, j'ai envie de vous dire. Ensuite, au niveau des crèmes pour les pieds, écoutez j'en ai qu'une. Parce que l'autre, elle est en cours d'utilisation derrière moi. Voilà, j'ai juste cette petite crème-là, voilà, que j'ai eue dans la Blissim. Bon, c'est pas ce que j'utilise le plus, mais je vais l'utiliser. Voilà, ça n'a pas bougé. Au niveau crème pour les mains, bon là, c'est pareil. Si vous avez vu le swap de Fanny, mon stock a explosé en termes de crème pour les mains. Donc, je vais vous montrer tout ça. J'en ai énormément. Je vais compter à la fin tout ce que j'ai. Alors, je vais mettre sur le côté parce que j'ai mis aussi les gels nettoyants pour les mains. Donc, comme ça, hop, je vais mettre sur le côté. Voilà, c'est bon. Alors, par contre, je tiens à préciser que les crèmes pour les mains seront détournées en crème pour le corps quand j'aurai su écouler un petit peu mon stock. Parce que c'est très rare que je mette de la crème pour les mains et sinon, le stock va me rester sur le dos pendant une éternité. Donc, ça sera détourné en crème pour le corps. Vous le savez, de toute façon, c'est de la crème. Et au moins, je ne gaspille pas. Donc, c'est parti. Une petite miniature comme ça de The Body Shop. Voilà. Une petite crème comme ça, fleur de coton, que j'ai eu dans ma Blissim de la marque Inui. De la marque Birdwest. Pareil, une petite crème pour les mains. Je vous dis pas les millilitres. C'est du 20 ml. Ça, c'est du 60. Et ça, c'est du 10 ml. Donc, c'est pareil, c'est des petits formats qui vont partir assez vite. D'ailleurs, il faudrait même que je les laisse de côté. Comme ça, c'est des petits formats que je pourrais vite utiliser. Ouais, je vais faire ça. Hop. Comme ça, ça peut vite partir. Une crème pour les mains comme ça, Dolce Vita de Merci Andy. Un petit baume pour les mains comme ça, de chez Sephora à la coco en 30 ml. Une petite crème comme ça. Alors par contre, c'est un sérum après soleil. Pourquoi ça a été mis ici? Alors là, il y a dû avoir une erreur. Donc c'est un sérum après soleil, donc je vais le mettre avec mes sérums. Donc du coup, changement de programme. Les sérums, je n'en ai plus 6, mais j'en ai 7. Je ne sais pas pourquoi ça a été mélangé. Je vais le ranger après avec mes produits visage. Les collections de Noël Bédélicieuse, voilà, c'est la collection de l'année dernière, c'est du 30 ml. Et on a Mûre Gourmande, voilà, en 50 ml, crème pour les mains. Donc voilà, je range tout dans ma pochette. Et j'ai également, hop, ce coffret-là, pareil, que Fanny m'a offert avec les 3 crèmes pour les mains, comme je vous dis, qui seront utilisées en tant que crème pour le corps. En plus, c'est des big formats de 90 ml. Voilà. Et à l'intérieur, c'est pareil, j'en ai encore. Donc j'ai, pareil, de chez Lidl, donc de Aldi, c'est cette collection-là que j'ai pour les mains, la mousse pour les mains. Donc c'est aux crèmes pour les mains au pain d'épices. Voilà, la Cura, c'est du 75 ml. J'ai cette crème-là à la coco aussi,
ça je sais pas c'est quoi la marque, 50 ml. Et ensuite, j'ai des crèmes comme ça pour les mains aussi de chez la série Friends. Donc j'ai celui-là, chèvrefeuille et rose, c'est des 50 ml. Et j'en ai deux comme ça, mangue et ylang ylang. Voilà, donc j'ai quoi faire au niveau crème main. Et comme je vous dis, tout ça sera détourné en crème pour le corps. Ça sera beaucoup plus pratique pour moi. Donc on va faire tout de suite les petits calculs. Donc là, j'en ai 3. Alors, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'en ai 15. Là, j'ai battu le record en termes de crème. Donc là, il est vraiment urgent de les utiliser. Hop, il est vraiment temps de les utiliser en crème pour le corps parce que j'en ai beaucoup trop. Et je sais que je suis pas prête de les utiliser en crème pour les mains. Ensuite, au niveau gel nettoyant pour les mains, je vais en laisser un tout de suite de côté parce que j'ai fini mon gel pour les mains à la pêche. Donc je vais tout de suite le laisser de côté, je vais le mettre dans ma sacoche. Ouais, je vais mettre lequel. Je ne sais pas. Ouais, je vais mettre le Merci Andy, allez. C'est un petit format, ça va partir vite. C'est un 30 ml, voilà. Moi, je mets toujours ça dans ma sacoche de boulot au citron. Donc ça, je laisse de côté. Donc du coup, il m'en reste 3 au niveau gel nettoyant pour les mains. Donc j'ai celui au citron en 100 ml de chez The Body Shop. J'ai celui-là à la coco en 60 ml. Et celui-là au bubble tea à la pêche en 50 ml. D'ailleurs, c'est celui-là que je viens de finir. Ça, c'est Fanny qui me l'avait offert. Et l'autre, je sais plus c'est qui me l'avait offert. Je sais plus, mais en tout cas, c'est des produits qu'on m'a offerts. Ou alors peut-être Marine. Je sais plus. Je sais plus qui me les a offerts. On m'offre tellement de trucs que je ne sais plus. Voilà. Donc, voilà. Et ensuite, au niveau des savons solides, j'en ai juste un. Je vais vous le montrer. Ah oui, je viens de penser. J'ai oublié de vous remontrer un autre truc. Comme je vous dis, j'en fous partout. Au niveau savon solide, j'ai celui-là, voilà. En plus, là, on est dans le thème de Noël. Voilà, avec le petit savon comme ça pour les mains. Donc, moi, ça sera utilisé pour nettoyer mes pinceaux parce que celui-là, c'est juste un savon pour les mains. Moi, vous savez, je ne les utilise pas pour me laver les mains, mais pour laver mes pinceaux. Et j'ai le mien qui est en train de se casser en deux, là. C'était un de chez Action. J'ai oublié aussi, en bombe pour le bain, j'ai également ce coffret-là. Pareil de chez Action que Fanny m'avait offert. Donc du coup, j'ai pas 17 produits pour le bain. J'en ai 18. Attendez, faut que je retrouve. Voilà, j'en ai 18. Donc comme je vous dis, je compte pas un par un les produits. Je compte en fonction du packaging. Donc voilà. Donc comment vous dire que j'ai de quoi faire. Voilà pour cette vidéo. Je pense qu'elle va être extrêmement longue. Je pense qu'elle doit faire une heure, voire plus d'une heure. Je vous l'avais dit, là, mes stocks ont énormément augmenté avec le swap de Fanny. Je te remercie encore pour tous ces cadeaux parce que tu m'as refait mon stock et là, je sais que je suis tranquille pendant un bon moment. Tout sera utilisé. De toute façon, tu me connais, tu le sais. Même si je suis longue, ça sera utilisé. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Bon, là, on va se retrouver l'année prochaine pour faire le point sur mes stocks beauté parce que je pense pas que je referai une vidéo au mois de décembre. Avec toutes les vidéos que j'ai à filmer, je ne pense pas. Surtout que c'est des vidéos aussi qui sont très longues, qui me demandent du temps. Donc je pense pas qu'il y aura de points sur mes stocks beauté cette année. Je pense plus l'année prochaine, comme ça on fera le point après mon calendrier de l'Avent et tout au niveau de mes stocks. Mais voilà, là ce sera tout. Ça sera la dernière vidéo stock beauté pour cette année 2023. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter. Puis comme je vous ai dit en début de vidéo, commencez pas à me dire que je surconsomme et tout. Comme vous savez, j'achète très rarement des produits de beauté ou vraiment quand j'en ai besoin. Là, c'est beaucoup de choses qu'on m'a offert et c'est long à utiliser. Donc voilà, soyez indulgents, évitez de me mettre des commentaires, je surconsomme trop, etc. Là, j'en ai conscience que c'est quand même de la surconsommation avec tout ce que j'ai. Mais ça fait longtemps que je vous fais mes stocks beauté et ça fait longtemps que je vous montre que je ne fais pas des gros achats beauté ou vraiment quand j'en ai besoin ou alors quand c'est des produits édition limitée comme là la collection de Noël d'Yves Rocher. Mais sinon, c'est très rare quand je fais des achats beauté. Donc, s'il vous plaît, soyez indulgents. Et en plus, moi, je ne fais jamais de gaspillage. J'utilise tous mes produits. Vous le voyez dans mes produits terminés. Voilà, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour faire agrandir la chaîne, à me mettre les pouces bleus pour dire que vous avez aimé cette vidéo. Et on active la petite cloche. Comme ça, vous ne loupez rien de ce qui va arriver prochainement. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut.